Ah, c'est pas tous les jours hein, qu'on assiste et qu'on a le privilège de commenter une finale de Coupe du Monde. Vous imaginez bien qu'on est ravis vraiment d'être dans ce stade avec Pierre. La France affronte l'Angleterre. Regardez la finale du Mondial, c'est le match que tout le monde veut jouer, hein, même les blessés. Regarde Kylian Mbappé qui joue la finale 2018 avec trois vertèbres bloquées et N'Golo Kanté qui a une gastro. Ah, tu fais quoi quand t'es coach hein? Tu passes de tes meilleurs joueurs pour la finale? Ça, c'est un casse-tête. Salut à toutes et à tous, c'est un match de l'équipe de France qui nous attend aujourd'hui. On est toujours content de voir les Bleus qui nous ont enchantés lors de la Coupe du Monde 2018, lors de celle de 98 également pour les plus anciens. Alphonse Areola sera dans les buts, Clément Langlais sera titulaire en défense, aux côtés d'Aymeric Laporte, Paul Pogba sera présent au milieu avec N'Golo Kanté. Et devant, Antoine Griezmann sera en charge d'animer l'attaque avec Kylian Mbappé. Konko. Mendy. Antoine Griezmann. N'Golo Kanté. On écarte le jeu. Paul Pogba. Benjamin Pavard. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. N'Golo Kanté. C'est une grosse frappe. Hein. Une grosse frappe, mais de peu à côté du cadre. Elle méritait mieux, peut-être. On va construire en passant sur les côtés. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ah, il a mis de l'intensité dans son geste défensif et ça lui a permis de récupérer le ballon. Oh, c'est dégagé ce ballon. Il donne un petit peu d'air à sa défense. Là, il continue, Pogba. Kylian Mbappé. Mbappé. Et le ballon bloqué par le gardien. Ben Chilwell. Ouais, ça sort. Ce sera une touche donc. Toi Gomez. Griezmann. Voilà, belle intervention du gardien là pour écarter le danger. Ouais, il n'a pas hésité à y aller à fond, c'est bien. Ballon qui file en corner. Il repousse le tir. Ouh, ça passe juste au-dessus. Ouais, dommage, c'était bien vu. Sancho. Oh, la route est dégagée pour l'équipe d'Angleterre sur les ailes. Kane. Elle est contrée cette frappe. Le gardien adverse s'empare tranquillement du ballon. Griezmann. Ah, je crois que l'attaque des Bleus aujourd'hui, elle est en panne. Christopher Nkunku.
Pas de souci pour le gardien qui a bien conservé ce ballon. Oui, pendant qu'on regarde ses statistiques, je peux vous dire que l'entraîneur, lui, il n'est pas content du tout. Ses joueurs ont souvent le ballon, ça c'est bien. Mais alors, côté occasion dangereuse... C'est un ballon perdu par la France. Harry Kane, attention, ça va être dangereux. Et il a toujours le ballon. Oui, il y a des options dans la surface. Un centre qui est contré, bien repoussé par la défense. Ah non, mauvais tir, ça passe très loin du but. Konko. On sait l'avoir. Antoine Griezmann. Les Français qui vont bénéficier d'un coup franc. Et le joue à deux. Antoine Griezmann. Ah, il perd ce ballon. Contre-attaque peut-être. On sait l'avoir. Griezmann. Ça y est, c'est la mi-temps. 45 minutes dans ce match. Toujours pas de but, 0-0. Drôle de première période quand même, non? Disons que dans la construction, c'est intéressant, mais bon, la finition, ça va pas, quoi. Arrivé dans les 30 derniers mètres, il n'y a plus personne. La partie qui recommence à l'instant. Ouais, Hervé, c'est reparti pour 45 minutes. Antoine Griezmann. Il progresse toujours, Kylian Mbappé. John Stones. Allez, il va pouvoir jouer vers l'avant. Il n'y a personne. À la touche à venir après ce bon tacle. Anderson. Un ballon perdu. L'adversaire s'est interposé. Griezmann. Oh, que c'est bien donné ça. Oh, le bon ballon. Oh, ça y est, le voilà, le premier but de cette finale. Un très beau but pour débloquer la situation. La contre-attaque fatale qui passe en ce moment sur notre écran. Et tout est parti de ce contre avec un joueur qui part seul au but. Il a bien résisté au retour de la défense et il a laissé aucune chance au gardien. Une belle action individuelle. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Harry Maguire. Joe Gomez. Wan-Bissaka. Dele Alli. Pour Dele Alli. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Konko, Benzema. Ouais, bon mouvement amorcé par les Bleus. Benzema à la frappe. Intervention du gardien au prix d'un joli plongeon, Pierre. Ouais, ça fait le boulot. C'est tout ce qui compte. La précision de Paul Pogba sur ce corner. Finalement, le gardien qui repousse. Sancho. Wan-Bissaka. Ouais, il a tout le couloir devant lui. Ouais, il a levé son ballon. Le gardien qui repousse. On sait m'avoir.
Karim Benzema. Hop. Changement de possession. On sait l'avoir. L'équipe de France qui se rapproche de la zone dangereuse. Karim Benzema. Il prend sa chance. Oh, le joli plongeon pour rassurer tout le monde. Ouais, c'était pas la peine de forcer là-dessus, mais bon, il fallait y aller quand même. Ouais, bien tiré ce corner. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. À la tête et ça sort. Ce sera une touche. On sait l'avoir. Kylian Mbappé. Ouais, cette fois c'est le gardien qui gagne le duel. La lecture de la trajectoire du ballon est parfaite. Ils peuvent mettre l'adversaire KO hein, sur ce corner, il faut s'appliquer. Ouais, dommage, elle était belle cette tête. Bah, le public y a cru, on a entendu sa réaction, mais ça passe au-dessus. Wan-Bissaka. Avec Maguire. Gomez. Ah non, pas là, le ballon est perdu. Entraîneur qui va faire un petit peu de coaching en faisant entrer un remplaçant. Alors t'as un favori Hervé? Oh non, je fais confiance à l'entraîneur. Il avait vu venir. Allez, encore 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Le temps qui file dans ce match. La décision n'a toujours pas été faite. Allez, 2 minutes de temps additionnel, c'était pas beaucoup. Tanguy Ndombele, Benzema. Allez, le tir de Karim Benzema. Oh, la belle intervention du gardien là pour écarter le danger. Ouais, il a pas hésité à y aller à fond, c'est bien. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Oh, c'est dévié. Heureusement, sinon ça faisait but. Ouais, j'en ai bien l'impression, comme quoi ça se joue à pas grand chose parfois. Allez, c'est l'heure de dire adieu à cette édition de la Coupe du Monde. Ça a été un bon cru, hein. Il y a eu des surprises, des révélations. Et puis un magnifique vainqueur, hein, Pierre. Ouais, c'est bizarre parce qu'on ne sait pas trop s'il faut attribuer leur succès final aux qualités individuelles ou à cette formidable machine collective créée par l'entraîneur. Un petit peu des deux, sans doute. Ah, je te reconnais bien, là, toujours le mot juste, la précision dans l'analyse, la concision, en un mot, le professionnalisme à l'état pur. Tu vois que tu peux être gentil quand tu veux. Ouais, mais ne t'y habitue pas. Donc là, c'est remise de trophée. On repense bien sûr à tous ceux qu'on a connus dans notre enfance. Hein, le moment où tous ces grands capitaines ont soulevé une Coupe du Monde, par exemple. C'est tout le sens de cet exploit. France 98, France 2018. Voilà, c'est le rêve de tout un pays qui est réalisé. Ils sont en train de montrer ce trophée à leurs supporters. Ah, il fait le fierro, lui. Hein. Ah, ben, il peut. Hein. Il peut. Et c'est aussi un moment de partage, hein. Cette fierté de présenter le trophée à ceux qui les ont soutenus tout au long de la saison. Ouais, et puis tout le monde est là, l'équipe est groupée. Ça explique aussi la victoire. Hein.